chanter ce cantique. Hosanna, amen, hosanna, oh alléluia, maranatha, oh Yahweh, hosanna, amen. Si tu veux t'élever, lève-toi. Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Hosanna. Oh Yahweh. Seigneur, ce matin, amène-nous à une autre dimension. Je prie que ce que nous allons partager ce matin, Seigneur, vienne renverser les forteresses. Alléluia, Père. Oh Dieu. Seigneur, viens communiquer, Seigneur, ce feu. Père, ce matin, je prie que tu réveilles, Seigneur, ton peuple. Je prie que tu répondes, Seigneur, ta grâce. Alléluia. Seigneur, je sais que le temps de la visitation, le port entier est arrivé. Seigneur, que toutes les forteresses tombent. Chanter ce cantique lorsque Jésus est rentré à Jérusalem. Il va monter sur un ânon et il va rentrer. Et pendant que Jésus rentrait à Jérusalem, la Bible dit que les hommes se sont mis à étendre des vêtements, se sont mis à étendre des arbres sur la route. Amen. Et ce matin, nous croyons que Jésus est en train de rentrer dans la province de l'Ogoué-Maritime. Ce matin, nous croyons que Jésus est en train de rentrer dans la province de Port-Gentil. C'est pourquoi lorsqu'on chante ce cantique, réalise ses paroles. Est-ce qu'on peut encore chanter ce cantique? Et si Jésus rentre dans la province de l'Ogoué-Maritime, c'est comme ça que vous devez l'accueillir? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit l'accueillir? Est-ce qu'on peut chanter encore ce cantique, frère? Hosanna, amen, hosanna. Oh, alléluia, Maranatha. Hosanna, hosanna, amen, hosanna.
Acclame-le maintenant. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Jésus. Seigneur, agis maintenant, Seigneur. Maintenant, je prie, Seigneur, que tout ce qui était mort reprenne vie. Alléluia, 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 alléluia. Père, je prie que c'est comme ça que tu veux encore, Seigneur, la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attira les hommes vers lui. Père, ce matin, nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attira les hommes vers lui. Seigneur, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui disposes d'autres choses. Oui, Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour tout ce qui va se faire. Je te recommande tous ces frères. Seigneur, viens renverser, Seigneur, viens amène-les. Seigneur, quelles que soient les profondeurs dans lesquelles ils sont tombés, ce matin, je crois que tu es capable de les relever. Je crois que tu es capable de restaurer, Seigneur, ton peuple. De restaurer, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui avait perdu, Seigneur, les vies de prière, les vies de méditation, les vies de jeûne. Seigneur, je crois que tu es capable de toucher les cœurs. Oh, éternel des armées. Oh, Jésus de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On peut s'asseoir. On peut acclamer en même temps Jésus. Amen. Qui veut vivre quelque chose de particulier ce matin? Amen. Donc on va partager la parole. Tout à l'heure, avant de venir ici le matin, j'avais à cœur de partager un autre message. Pendant que j'étais là-bas, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un autre message. On va prendre... Tout le monde a sa Bible. Tout le monde a la Bible? Ok. On va prendre les Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 57 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, 58. Quelqu'un peut lire? Monsieur, vous pouvez...
donner le micro là-bas. Un Corinthiens chapitre 15, verset 57. Verset 51. 51. Verset 54. Lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort a été détruite dans la victoire. Ô Hadès, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Amen. Amen. Tu peux relire le verset 57, mon frère. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je disais, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la victoire en Christ. Amen. La victoire. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en haut, on nous dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Et vous savez que quand on parle de la mort, il s'agit généralement d'abord de la mort physique et aussi de la mort spirituelle. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné la victoire. Et tout à l'heure, c'est cette pensée qui est revenue pendant qu'on était là-bas, la victoire. Donc ce matin, nous allons partager sur la victoire. Amen. Aujourd'hui, si vous voyez, beaucoup de personnes sont dans le péché, beaucoup sont esclaves de l'impudicité, de la fornication. Beaucoup sont esclaves, c'est parce que beaucoup n'ont pas encore réalisé qu'en Jésus, nous avons la victoire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui viennent, « Oh, je suis fatigué de tel, je suis fatigué de ceci, je suis fatigué des démons. » Mais toute la victoire se trouve dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous allons partager dessus. Amen. Donc nous allons partager sur la victoire. Amen. Vous savez que l'église de Jésus-Christ, c'est une église victorieuse. Et Christ nous dit que nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Quand on se convertit, quand on accepte le Seigneur, Christ nous amène de victoire en victoire. Si nous avons arrêté d'être victorieux, c'est parce que certainement nous avons perdu certaines choses. Certainement, nous avons perdu le zèle, nous avons perdu le feu. Et la première chose que Christ vient, que l'ennemi vient nous enlever, c'est nous sortir de la victoire. Sinon, en Jésus, nous avons la victoire sur tout. Amen. Le mot victoire en hébreu, c'est teshua. Ça veut dire, ce mot veut dire aussi délivrance. N'est-ce pas? Ça veut dire que en Christ, être dans la victoire, c'est aussi être dans la délivrance. Quelles que soient les situations que nous serons appelés, c'est aussi être dans la délivrance. Amen. Ce mot veut aussi dire salut. C'est pourquoi lorsque nous avons accepté le Seigneur, il nous accorde son salut. Donc si quelqu'un est là ce matin, il vit dans le péché, ce matin il peut expérimenter sa victoire. Par le moyen de la délivrance, par le moyen du salut. Le mot de victoire aussi veut dire secours. Quelqu'un qui vit dans la victoire, à n'importe quelle situation, il doit s'attendre au secours de Dieu. C'est pourquoi autant, lorsque nous mourrons, lorsque Jésus viendra prendre l'église, pendant que les autres seront ceux qui vont rester dans le chaos, Christ viendra nous secourir pour nous amener avec lui. Donc être dans la victoire, c'est être dans la délivrance, c'est être dans le salut, c'est s'attendre au secours de Dieu. C'est ça le salut, c'est ça la délivrance.
C'est une grande victoire. C'est pourquoi on dit que la plus grande, le plus grand des miracles, c'est lorsque quelqu'un s'est converti. C'est pourquoi lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que les anges au ciel sont en fête. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés de Libreville pour venir à Port-Gentil. Parce que Christ nous a promis que partout où nous irons, nous allons expérimenter la victoire. Amen. Donc être dans la victoire, c'est s'attendre au salut, à la délivrance, à la restauration. C'est toutes ces choses-là. L'église de Jésus est une église victorieuse. C'est pourquoi la Bible dit qu'il viendra chercher une église glorieuse. Une église dans la victoire. Et nous sommes à l'heure où Christ prépare son épouse. Nous sommes au temps où les 10 vierges se réveillent et se préparent pour aller à la rencontre de son époux. Nous sommes dans ce temps-là. C'est le temps où les 10 vierges se réveillent. C'est pourquoi de plus en plus dans tout le monde entier, les enfants de Dieu ne font que se réveiller pour se préparer à la rencontre de son époux. Beaucoup sont tombés dans la tiédeur. Mais ce matin, Christ est capable de nous relever. Christ est capable de nous donner une nouvelle robe. Amen. Parce qu'il faut que nous réalisions ces choses. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions ignorants. Et vous savez, la première chose par laquelle Satan gagne beaucoup les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. C'est pourquoi nous allons voir ce que Christ a accompli pour nous. C'est pourquoi pendant qu'on va partager, les écailles vont tomber. Tu ne vas plus te considérer comme ce que tu es. Amen. On va prendre la Bible. On ne va pas prendre beaucoup de passages. Colossiens. Nous allons voir maintenant comment, quelles sont les différentes victoires que Christ nous a accordées à la croix. Amen. Vous savez que notre délivrance, c'est passer à la croix. Amen. C'est par la croix que nous avons obtenu la victoire. Nous avons obtenu la délivrance. Colossiens chapitre 2. Mon frère, tu vas lire toujours. Verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Un seul verset. La Bible dit qu'il a dépouillé. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Après. Il les a exposées publiquement en spectacle. Enfin, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Dans ce passage, il y a trois mots importants qu'on nous dit. On nous montre comment Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. Alléluia. Dis à ton frère qui est à côté de toi, Satan a été vaincu. Amen. Satan a été vaincu. Sa défaite s'est passée à la croix il y a plus de 2000 ans. Et ici, Paul va nous montrer comment il a été vaincu. Comment il a subi sa défaite. Et il utilise trois mots forts. La Bible dit qu'il a dépouillé les dénominations et les autorités. Il les a livrées publiques comme un spectacle en triomphant d'elles à la croix. Tout cela se passait à la croix. Ma délivrance s'est passée le jour que Christ était à la croix. C'est depuis là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui que cela s'est passé. C'est à 2000 ans lorsque Christ était sur la croix que j'ai obtenu ma délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui je suis libre. Je suis libre de me sanctifier. Je suis libre de marcher en nouveauté de vie. Christ m'a délivré. Amen.
C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Parce que c'est l'objet, c'est la preuve que moi j'ai la victoire. C'est le mon signe de victoire. C'est comme un militaire. Pour montrer qu'il est militaire, il porte sa tenue. On sait que lui-là, c'est un militaire. S'il n'a pas la tenue de combat, il est confondu. Mais nous, nous avons obtenu la victoire par la croix. Et comment? On nous dit par trois mots. Ici, Paul utilise trois mots pour nous le dire. Et vous allez voir que ces trois mots qu'il utilise sont profonds. C'est pourquoi, pour comprendre ces mots, nous sommes obligés de nous référer aux Grecs. Comme aujourd'hui, pour comprendre certains mots, on prend le dictionnaire, n'est-ce pas? Parce que souvent, dans certaines traductions, il y a des choses qui sont, on a donné juste un mot, mais c'est plus profond. Et la première victoire qu'on nous montre ici se trouve dans le mot dépouiller. Amen. On nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Or, les dominations et les autorités, c'est qui? C'est Satan et tous ses démons. Et on nous dit qu'ils ont été dépouillés. Donc, la première victoire se trouve dans ce mot. Or, le mot dépouillé en grec, c'est epektousameno. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ôter les vêtements jusqu'à une totale nudité. Ôter les vêtements jusqu'à une totale nudité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan et ses démons ont été totalement désarmés. Est-ce qu'on comprend très bien? Ça veut dire que tout ce que l'ennemi avait contre toi, toutes les armes qu'il avait, qui se servaient contre toi pour te faire tomber, pour que tu demeures toujours dans la masturbation, Jésus a totalement désarmé Satan et ses démons. Ça veut dire que Satan n'a plus aucun rien. Quand quelqu'un vient en Christ, toutes ces choses s'appliquent. Amen. Il a été totalement désarmé. Et pectus ameno, ôter les vêtements jusqu'à une totale nudité. Et vous savez, pour que Jésus arrive à désarmer Satan, qu'est-ce que lui-même a fait? Il a lui-même. La Bible dit, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec nos pères comme une proie arrachée. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Pour que nous puissions avoir cette victoire-là, Christ lui-même s'est dépouillé. C'est en s'humiliant à la croix que Jésus, Satan, pendant que Jésus était à la croix, il s'est dit qu'il était content. Mais c'est dans cette humiliation-là que nous avons obtenu la victoire. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être là certainement. Avant, lorsque tu étais dans le monde, tu étais dans la sorcellerie. Tu étais au niveau de la sorcellerie, dans la pharmacie, dans la sorcellerie. Certainement, tu es là, tu te dis, mais est-ce que si je sors? On t'a dit que le jour que tu sortiras de la sorcellerie, tu vas mourir. Dis que c'est faux au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu viens à Christ, quel que soit ton décret de la sorcellerie, quand tu viens à Christ, toutes les armes que dont l'ennemi se servait pour toi, pour venir t'empêcher de pouvoir sortir, toutes ces choses-là, Jésus les a totalement désarmées. C'est pourquoi si tu sors d'un vampire, aujourd'hui Dieu ferme tout cela au nom de Jésus de Nazareth. Christ t'a donné la victoire. Toutes les armes dont l'ennemi s'est servi contre toi, Jésus les a totalement désarmées. L'ennemi a été désarmé. Il faut que nous comprenions ça. Il n'y a plus rien. Quand quelqu'un accepte Jésus, il n'y a plus rien. Parce que tu es passé d'un autre camp. Amen. Et il faut que nous réalisions ces choses, c'est très important. Donc le premier mot, la première victoire que Christ nous a accordée, se trouve dans ce mot, dépouiller. Ôter les vêtements jusqu'à une totale nudité. Il n'y a plus rien. Jésus a totalement désarmé Satan. Il n'y a plus rien. Mon frère, tu as la victoire. Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je peux arrêter la cigarette? Mon frère, moi j'ai fait 6 ans dans la cigarette dans le sang. Aujourd'hui, ça fait beaucoup des années que je ne fume plus. Ça fait beaucoup des années que je ne me masturbe plus. Alors qu'il y a un temps, je me disais que je ne pouvais jamais arrêter la masturbation. Je ne pouvais jamais arrêter l'ivrognerie. Mais lorsque je suis venu en Christ, il m'a donné la victoire. Aujourd'hui, je ne force plus. Avant, pour moi, c'était tous les vendredis, je dois aller boire. Aujourd'hui, c'est ça. Pour moi, tous les jours sont pareils. Il n'y a plus de dire qu'un vendredi, je vais réfléchir, qu'il faut que je m'enivre. Ça fait combien des années que je ne bois plus le vin. Je n'ai plus jamais regoûté le vin un jour. Oh, le monde veut te faire croire que non, voilà, tu ne peux pas. Il y a des gens qui vont même chez les psychologues, ça ne change pas. Or, si le monde savait que toute la victoire se trouve en Jésus, les hommes devaient courir vers cet homme. Amen. Donc la première victoire que Christ nous a accordée, Paul nous le dit, il a dépouillé les dénominations et les autorités. Amen. Ensuite, on nous dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. C'est comme un combat. On est là, c'est la guerre. C'est une guerre qui s'est passée. Après les avoir dépouillés, quand on va souvent dans la guerre, il y a le combat. La première chose quand on arrive, dès qu'on a pris le camp, on arrache d'abord tous les armes. Après les avoir dépouillés, tous ces démons, Satan et tous ces démons, on nous dit qu'il les a livrés. Livrés, c'est dogmatiso. Ça veut dire exposer. Ça veut dire quoi? Ici, Paul nous veut nous faire comprendre que la défaite de Satan et ses démons ont fait l'objet d'une exposition publique. Ça veut dire que après qu'ils ont été vaincus, on les a exposés. Alléluia. Ça veut dire que la défaite de Satan a fait l'objet d'une exposition publique. En grec, ce mot n'était utilisé que lorsque pendant les guerres, lorsque le camp adverse avait vaincu, on prenait les gens et on exposait. Amen. Ici, Paul nous fait comprendre que la victoire que Christ nous a accordée, la défaite de Satan a fait l'objet d'une exposition publique. C'est pourquoi Satan n'aime pas le message de la croix. Pourquoi? Parce que ce message lui rappelle sans cesse la défaite qu'il a eue. Amen. Vous n'êtes pas content, quoi? Alléluia. L'objet d'une exposition publique. C'est pourquoi Satan n'aime pas le message de la croix. Imaginez-vous les démons, tout ce monde-là, ils ont exposé. Ils ont été exposés. Satan n'aime pas le message de la croix. Dites-moi un peu, que ce soit païen, tout le monde, qui ne sait pas que Satan a été vaincu? Qui ne sait pas que Satan a été vaincu? On n'a pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Même les païens savent que Satan a été vaincu. Et nous, les enfants de Dieu, on ignore ces choses. Même les païens savent que Satan a été vaincu. Il a été vaincu. Oh, c'est pourquoi si aujourd'hui, tu as du mal à avancer, le problème c'est toi-même. Satan a été vaincu. Et la défaite de Satan a fait l'objet d'une exposition publique. C'est pourquoi Satan n'aime pas le message de la croix. Parce que ce message lui rappelle sans cesse sa défaite à la croix. Satan a été vaincu. Tout le monde le sait. N'est-ce pas? Amen. Donc, exposer. Le mot dogmatiso, ça veut dire exposer, étaler, comme une marchandise. Quand les gens sont morts, on vient étaler comme ça là. Les démons, Satan et les démons, ils ont été étalés publiquement. Et tout le monde a vu. Tout le monde a pu voir. Et les chrétiens, c'est pourquoi les témoins vont partout pour témoigner que Jésus-Christ est vainqueur. C'est pourquoi les gens, les chrétiens vont dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle, pour dire aux hommes que Jésus-Christ a vaincu. C'est ça le message de l'évangile. Jésus est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi Christ ressuscité traversait les murs. C'est pourquoi il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. C'est pourquoi les chrétiens vont dans le monde entier. C'est pourquoi vous avez vu qu'après la mort de Jésus-Christ, l'évangile s'est répandu dans tout le monde entier.
les apôtres ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils étaient dans la victoire. Alors qu'avant Jésus, on ne voyait, on ne connaissait pas chasser les démons. On ne connaissait pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec Christ, on voit des choses extraordinaires. On voit des conversions extraordinaires. On voit des gens qui étaient paralytiques qui marchent. On voit des gens qui n'entendaient pas qui entendent. On voit des gens qui étaient aveugles spirituels qui recouvrent la vue à cause de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il faut connaître ces choses. Tu es là tous les jours dans ton quartier. Tu ne sais pas que toi, par au travers de toi, tout le quartier peut se convertir. Tu ne réalises pas la grâce que Dieu t'a accordée. Tu es là tous les jours, tu rentres. Tu ne réalises pas la grâce que Dieu t'accorde. On est là, on dort tous les jours. Tu rentres, tu es bien, tu es marié, tu es à l'aise, tu es ceci, tu es bien. Mais tu ne réalises pas que Christ t'a appelé pour beaucoup de choses. Tu ne réalises pas la victoire que Christ t'a donnée. C'est pourquoi depuis des années, les gens dans son quartier ne se convertissent pas. Tu es là, tu es sec. Et il faut que tu réalises cela. Lorsqu'on s'est converti, on était zélés pour les choses du Seigneur. On pouvait prêcher à tout un quartier. On pouvait passer des heures dans la prière. Pourquoi on ne peut plus? C'est parce qu'on n'est plus dans la victoire. Parce qu'on a baissé la garde. Parce qu'on a incliné la tête. Voilà pourquoi on a perdu le feu. Voilà pourquoi on a perdu le zèle. Et ce matin, Dieu veut te restaurer. Et il a besoin que tu réalises d'abord, premièrement, que tu es dans la victoire. Tu réalises que, pour qu'on réalise qu'on peut gagner tout le goût maritime, bon gentil, il faut qu'on réalise que nous sommes dans la victoire. Que Christ nous a donné la victoire sur la franc-maçonnerie, la victoire sur la rose croix. Je me rappelle au début, quand on commençait à parler du réveil, il y a un frère qui témoignait qu'un jour, il a vu des anges au Gabon. Il dit tout le ciel du Gabon, il y avait des anges au ciel. Il y avait des anges qui se baladaient tout au ciel. Il a vu un ange qui était au-dessus d'eux, l'ange Michael. Il a entendu, le Seigneur lui dit, je vous donne la victoire sur la franc-maçonnerie. Frère, le temps est fini, le Gabon n'est plus le pays des crimes rituels. Nous sommes passés à autre chose. Même si vous regardez que le Gabon différemment, si tu vois le Gabon tous les jours, tu es avec les pas entre les pensées, le pays là c'est comment? Le pays là c'est comment? Dieu nous a donné la victoire. C'est dans cette situation-là que Dieu veut que les enfants de Dieu se lèvent. Pour que les choses changent, il faut que nous changeons de mentalité. Il faut que les enfants de Dieu s'élèvent. Dieu agit dans le chaos. C'est dans le chaos que les hommes ont besoin d'entendre que le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas changé. J'espère que vous acclamez pour Jésus. Parce que si c'est pour Jésus, on n'acclame pas comme ça. Nous, on en passe des heures et des heures. Je suis en train de discuter. Le Gabon, ça va faire comment? On attend août. Que le pays va devenir comment? Le pays va devenir comment? Le pays va devenir comment? Mon frère, tu n'as pas compris que la destinée, c'est que le pays deviendra. Ça dépend des enfants de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La justice du peuple fait quoi? Il lève une nation. Le péché et la honte du peuple. Et Dieu compte sur l'église. Tous les mouvements, lorsque Dieu compte sur l'église, ça veut dire que si nous là on croise les bras, on endort, le jugement frappera dans cette nation. Si les gens qui sont à Port-Gentil s'endort, tous les restes, s'ils n'ont pas conscience, le jugement s'abattra. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui se tient à la berge, à la brèche. Il dit, si mon peuple sur qui est s'humilie et prie et cherche ma face, si c'est des sourds de ses voix, il dit si mon peuple. Il n'a pas dit si les païens changent de manière de faire. Il dit si mon peuple. Et le peuple de Dieu, c'est toujours une humilité. C'est pourquoi tu es là, certainement, tu écoutes, tu t'as dit non. Tu n'es pas en retard, mon frère. Toi qui es là, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas en retard. C'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Le Seigneur compte certainement sur toi. Il t'a choisi. C'est ton temps. C'est le jour où tu dois rentrer dans le royaume. Aujourd'hui, c'est ton temps. Si tu rates la visitation, là, c'est toi-même. C'est pourquoi on ne force plus les gens à l'évangile. C'est pourquoi pendant qu'on est en train de parler, Dieu te convainc. Amen. Donc, on a dit que la défaite de Satan a fait l'objet d'une exposition publique. Tout le monde sait, même les païens, tout le monde sait que Satan a été vaincu. Il y a des gens même qui font des musiques dessus. Tout le monde connaît. Je dis
dire que c'est pourquoi Satan n'aime pas le message de la croix, parce qu'elle lui rappelle sa défaite. C'est pourquoi quand tu portes la croix, quand tu es dans le message de la croix, quand tu marches, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il renonce. Il s'écharge de sa croix. Parce que si tu n'es pas la croix, tu n'es pas dans la victoire. Parce que Jésus, il est marché dans la victoire. Il allait de gloire en gloire. Amen. Et ensuite, après dire qu'il les a livrés, on nous dit en triomphant d'elle à la croix. Le mot triompher, c'est triombéo en grec. Ce mot était utilisé lorsque un général romain allait en guerre. Lorsque ce général en romain allait en guerre, et qu'il, lorsqu'il en allait en guerre, il remportait une grande victoire, et qu'il arrivait à conquérir des territoires pour l'empereur. Lorsque ce général romain revenait, il avait droit à ce qu'on appelle une parade extraordinaire. La parade, c'est comme un défilé. Donc lorsque ce général venait, il avait droit à une parade extraordinaire. Tout le monde sortait pour acclamer ce général. Il passait sur la route et tous les habitants de la ville sortaient pour acclamer ce général. Oh! Et Paul nous dit en triomphant, c'est cette même expression que Paul utilise, pour nous dire qu'après que Jésus est désarmé, après qu'il a exposé, la Bible nous dit que Christ a fait la parade. Ça veut dire qu'on était déjà dans la victoire. Et il est en train de marcher. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans la victoire. Alléluia. Nous marchons dans la victoire. Nous sommes dans le triomphe. C'est ce qu'on appelle le cortège triomphal. Amen. En triomphant d'elle à la croix. Et vous savez ce qui s'est passé? Les enfants du général qui avaient remporté la victoire. Les enfants du général, lorsque le général faisait la parade militaire sur la ville, les enfants du général marchaient, ils étaient dans un char. Vous connaissez les chars, n'est-ce pas? Il y a des versions, la version Semer dit, il nous a fait marcher dans le cortège triomphal. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans ce cortège. Christ est devant et nous sommes dans le cortège. Nous sommes en train de marcher dans la victoire. Nous sommes dans le cortège. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à Port-Gentil. Nous sommes dans le cortège triomphal avec Jésus. Nous avons remporté la victoire. Nous avons remporté la victoire. Ça veut dire que tant que tu seras dans le cortège, aucun ennemi, aucun démon ne pourra avoir l'autorité sur toi. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu marches dans le cortège triomphal. Nous sommes dans le cortège triomphal. Alléluia. Nous sommes dans le cortège. Aujourd'hui, si beaucoup n'ont plus la victoire, c'est parce que beaucoup ne sont plus dans le cortège. Lorsque nous sommes convertis, nous étions dans le cortège. Mais vous savez que pendant que les enfants, pendant qu'ils étaient dans le cortège, tout ce qui avait séduit la défaite, ils étaient derrière, désarmés, attachés. Donc pendant qu'ils sont dans le cortège, tous les ennemis qu'ils avaient vaincus les suivaient derrière. Ils les suivaient derrière. Et toutes ces personnes-là qui avaient été capturées, après, il devait subir une humiliation publique. Triombéo. Les enfants participent à la victoire. Nous également, nous participons à la victoire. On va prendre, de lire ça, 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 2, verset 14, mon frère. 2 Corinthiens 2, verset 14. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur mortelle qui les tue, aux autres une odeur vivifiante qui les conduit à la vie. Mais qui est suffisant pour ces choses?
car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore clamer pour Jésus? Amen. On dit, et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. On a dit que nous sommes dans le cortège. Ça veut dire que dans le cortège, nous triomphons toujours. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Le triomphe. C'est le même triomphe qu'on a vu tout à l'heure. C'est le char là. Ça veut dire qu'en Jésus, nous sommes toujours dans le char de la victoire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun combat des mondes des ténèbres. Quel que soit, c'est pourquoi la Bible dit que 1000 soient à ta gauche, 1000 à ta droite, nous ne serons jamais. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et qui manifeste en nous l'odeur de la connaissance en tout lieu. Ça veut dire que l'odeur de Christ. C'est pourquoi tu es différent des autres. C'est pourquoi les païens te combattent. C'est pourquoi tout le monde te combat. Parce que depuis qu'on s'est converti, nous avons une autre odeur. Nous avons l'odeur de Christ. C'est pourquoi les gens voient et disent, mais celle-là, elle est comment? Avant que tu ne te convertisses, on ne te connaissait pas. Mais peut-être que tu ne réalises pas aujourd'hui, tu es connu. Dans le monde des ténèbres, tout le monde te connaît. Parce que l'ennemi sait qu'avec toi, dès que tu... Quand les enfants de Dieu se réveillent, quand un enfant de Dieu est réveillé, l'ennemi sait qu'il peut bouleverser toute une nation. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi-même. Il ne voit même pas seulement ta famille. Il voit des générations et des générations. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la quatrième génération. Mais la Bible dit qu'à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, il bénit jusqu'à la millième génération. Ça veut dire que tu es là, même quand tu mourras, Dieu se souviendra toujours si tu marches dans l'intégrité, dans la foi de l'alliance qu'il a fait avec toi. Pendant que tu es là, tu ne sais pas qu'hier, il y avait peut-être un arrière-grand-père qui a marché dans la foi. Dieu se souviendra de cette alliance jusqu'à la millième génération. Et je refuse. C'est pourquoi j'ai dit, je refuse. Lorsque je prie, je dis, Seigneur, je prie que toutes les alliances qui ont été faites dans le monde des ténèbres contre ma famille, à partir de maintenant, cela est anéanti au nom de Jésus. Frère, passé à un si grand appel, Dieu promet de bénir si je suis marche dans l'intégrité, de bénir ma famille jusqu'à la millième génération. Jusqu'à la millième génération, ta famille sera bénie à cause de toi si tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la foi. Rappelez-vous que l'alliance d'Abraham, jusqu'aujourd'hui nous bénéficions de cette alliance. L'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Aujourd'hui, toutes les familles de la terre ont été bénies. Si Dieu a fait cela avec Abraham, tu es sûr qu'il n'est pas capable de le faire avec toi? Tu sais, Dieu aujourd'hui se souvient toujours de l'alliance d'Abraham, de l'alliance de David, de l'alliance de Moïse. Et Dieu ne se souviendra pas de ton alliance. Mais tu es là, tu t'es mis. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu parle ce matin? Alléluia. C'est pourquoi nous voulons prendre un nouveau départ. Qui veut prendre un nouveau départ? Qui veut prendre un nouveau départ? Quels que soient ceux qui sont là aujourd'hui, tu es là. Tu reconnais que tu as perdu le feu de la prière. Tu reconnais que tu as perdu ceci. Ce n'est pas un long message. C'est une barrière qui était placée. Tu es venu la casser. Aujourd'hui, toutes les barrières, toutes les profondeurs dans lesquelles tu étais certainement dans un gros trou. Ce matin, Dieu vient te prendre. Il te relève. C'est pourquoi beaucoup iront. Dieu va amener de plus en plus. Ceux qui suivront, Dieu va les amener à une autre dimension. Ceux qui avaient arrêté de prier, Dieu va te redonner d'amour, la soif de la prière. Il y a des gens qui n'arrêteront plus de prier tant qu'ils n'ont pas vu leur quartier être touché, tant qu'ils n'ont pas vu leur nation être touchée. Il y a des gens qui ne laisseront plus le soleil se lever sans que leurs genoux ne soient fléchis au sol. Amen. Avant qu'on ait pris pour tous les frères,
veux accepter Jésus-Christ. Tu veux monter dans le char de l'Éternel. Si tu es là, viens. S'il y a quelqu'un qui est là, tu vas accepter Jésus-Christ. Tu veux saisir cette occasion. Viens, on va prier pour toi. N'aie pas honte. Ne dis pas que tu étais chrétien. Moi, je prie déjà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent accepter Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut s'élever? La personne qui a déjà accepté Jésus. Voilà une sœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Qui veut accepter Jésus? Qui veut monter dans le char de l'Éternel? Ma soeur, viens, on va prier pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui d'autre? Donc tout le monde a déjà accepté Jésus ici. Qui a déjà accepté le Seigneur ici? Tout le monde. Tu veux accepter le Seigneur. Tu veux changer de vie. T'appelles comment? Le Seigneur. Ok. Mon frère, on peut prier pour elle. Hein? On dit, tu vas passer des ténèbres à la lumière. Hein? Tu t'appelles comment? Seigneur, si aujourd'hui elle est encore levée, Père, je prie qu'au travers d'elle, Seigneur, ô Dieu des nations, Père éternel, sois béni. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour la victoire. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu, voici l'onction de Dieu. Maintenant tu te remplis, tu te remplis. Je prie que s'il existe des alliances qui se manifestent, qui parlent, sans elle, maintenant. Maintenant, ô Dieu tout puissant. Seigneur, merci Seigneur pour notre sœur. Merci Seigneur pour notre sœur. Merci pour notre sœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, accepte-la dans ton royaume. Accorde-la ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la victoire. Amen. Allez t'asseoir, ma sœur. Amen. Maintenant, on va prier pour tous les frères et sœurs. Tu reconnais que tu avais perdu le feu dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Tous ces frères qui ont besoin d'être restaurés. Si vous êtes là, vous pouvez venir. Toutes les personnes qui reconnaissent qu'elles avaient perdu le feu et qui veulent prendre un nouveau départ avec Dieu. Venez, frère. N'aie pas honte, ne regarde pas à l'autre, à gauche ou à droite. Ne regarde pas à ton titre. Je suis ancien à l'église de Port-Gentil. Ne regarde pas à toutes ces choses. Ce matin, Dieu veut te restaurer. Si tu le résistes, il te résistera. Ce matin, Dieu veut restaurer tout son peuple. Pourquoi tu es là? Tous ces frères qui reconnaissent qu'ils ont besoin de prendre un nouveau départ, quel que soit ce que tu fais, que tu sois chantre, que tu sois ceci, quelle que soit ta position, ce matin, Dieu veut vous restaurer. S'il vous plaît, les frères qui sont venus, est-ce qu'on peut venir prier pour les frères, s'il vous plaît?
Charlie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut venir prier pour les frères, s'il vous plaît? Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut lever les mains? Frères, s'il vous plaît, les frères, est-ce qu'on peut prier pour eux? Frères, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si Dieu te met le cœur de ta genouille, prie-le. Seigneur, merci pour la victoire dans la vie de ses frères. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la restauration. Maintenant, je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu restaures nos frères. Je prie que tu les restaures, Seigneur. Je prie que tu les restaures. Je prie qu'un feu nouveau, Seigneur, soit communiqué à chacun de nous. Je prie que la puissance de ton esprit soit renouvelée dans chacun d'eux, Seigneur. Je prie que la soif de la prière soit restaurée, Seigneur. Oh Dieu, merci pour la victoire, Père. Oh, merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour le feu nouveau que tu communiques à chacun d'eux. Oh Seigneur, nous te rendons les actions de grâce. Seigneur, tu ne nous as pas envoyés ici en vain. Seigneur, je sais que tu veux faire de nouvelles choses dans chacun d'eux. Seigneur, merci pour ta grâce maintenant, Père. Oh Dieu. Oh, agis encore, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Maintenant que je prie que la puissance de ton esprit. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Maintenant. Voici l'onction de Dieu. 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 Remplis-le. Nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la restauration. Voici l'onction de Dieu, voici l'onction de Dieu, voici l'onction de Dieu sur ta vie, voici l'onction de Dieu, voici l'onction de Dieu sur ta vie. Oh Seigneur, merci pour toi. Oh Jésus de Nazareth, alléluia, alléluia, alléluia. Voici l'onction de Dieu sur ta vie, Dieu te restaure. Un feu nouveau, un sel nouveau, voici l'onction de Dieu maintenant. Dieu t'équipe. Alléluia, je prie que tous les portes soient refermées. Voici l'onction de Dieu maintenant, voici l'onction de Dieu. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur, équipe ton peuple maintenant, je prie Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous les dons. Afin que tu restaures tous les dons spirituels. Je prie pour les dons. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les dons. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu. Dieu te restaure. 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 Un feu nouveau. Alléluia. Merci pour la restauration de la vie. Père, maintenant je prie que toutes les portes. Je chasse tout esprit impur de sa vie. Maintenant, quitte-la, quitte-la. Sors. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, sors, sors, quitte-la, quitte-la, quitte, quitte. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Laisse-moi prier pour elle. Oh, Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, maintenant nous prions, Seigneur. Oui, Jésus de Nazareth. Qu'aucun démon ne résiste dans ta présence. Qu'aucun démon ne résiste dans ta présence. Maintenant, frère, levez les mains. Maintenant, levez les mains. Oh, Dieu. Oh Père éternel, maintenant je prie que le ministère, Seigneur, soit restauré, que les dons, que tout ce qui avait perdu le feu dans la prière, tu le retrouves. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, voici l'onction de Dieu sur toi. Maintenant, maintenant, maintenant. Oh Père éternel, Seigneur, Seigneur, remplis cette jeune fille. Remplis-la, remplis-la. Seigneur, elle te servira. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Oh Père, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te recommande cette jeune fille. Je prie qu'au travers d'elle, Seigneur, oh Dieu, de plus en plus, Seigneur, les jeunes filles soient touchées, Seigneur. Au nom de Jésus, voici l'onction de Dieu maintenant. Voici l'onction de Dieu. Alléluia, merci pour le feu. Alléluia, merci pour le feu. Merci pour le feu. Voici le feu. Je prie que ces quatre vies maintenant soient les fondements, Père, oh Dieu. Oui, Jésus, de son attachement à toi. Je prie que ces quatre vies maintenant soient les fondements maintenant. Je serai bien avec toi. Voici l'onction de Dieu maintenant. Voici l'onction de Dieu. Dieu t'équipe. Alléluia. De plus en plus, Seigneur, je t'amènerai une autre dimension. Seigneur, oh Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Je te restaure. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. L'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu. Maintenant, Seigneur, restaure ton peuple. Restaure ton peuple.
restaure ton peuple, restaure ton peuple. Alléluia. Oh Yahweh, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur, je te recommande ce jeune homme. Seigneur, restaure-le. Restaure-le, Seigneur, restaure sa vie de prière. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Je te restaure. Seigneur, un seul nouveau. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes une grâce particulière dans l'évangile. Seigneur, maintenant, amène-le une autre dimension avec toi. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Alléluia. Maintenant, je consume la mort. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu maintenant. Voici l'onction de Dieu. Alléluia. Frère, prions. Alléluia. Dieu déverse une onction de restauration. Alléluia. Alléluia. Oh, le feu du réveil, Père. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette soeur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Dieu te remplit. Dieu te remplit. Alléluia. Dieu t'équipe. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Maman, voici l'onction de Dieu, Dieu t'amènera à une autre dimension. Voici l'onction de Dieu sur ta vie, voici l'onction de Dieu, voici l'onction de Dieu. Dieu t'amène à une autre dimension. Voici l'onction de Dieu, voici l'onction de Dieu. Alléluia. Oh, le feu du réveil. Seigneur, réveille ton peuple, réveille tes enfants. Seigneur, réveille tes enfants, pauvreté, réveille tes enfants. Maintenant, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour la restauration des ministères. Je prie pour la restauration. Que tous gardent la grâce prophétique. Recevez l'onction maintenant. Voici l'onction de Dieu, voici l'onction de Dieu. Oh Yahweh, alléluia, Père. Je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration. Que tous, Seigneur, que les grâces prophétiques, que les ministères prophétiques. Oh éternel des armées. Oh éternel des armées. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Dieu te restaure. Tu auras la gloire de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Oh Père. Seigneur, je te recommande cette femme. Oh Jésus de Nazareth. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Voici l'onction de Dieu. Dieu te restaure. Alléluia. Oh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main. Oh, étends ta main. Oh Père. Ce matin, Seigneur, je prie que ton armée se réveille. Maintenant, les ministères prophétiques. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, allume ton peuple. Allume ton peuple, Seigneur. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Père, réveille tes enfants. Alléluia. Non seulement. Non seulement. Non seulement. Non seulement. Les ministères prophétiques. Les ministères prophétiques. Voici l'onction de Dieu maintenant. Oh, étends ta main. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Oh, et Père. Oh, étends ta main. Alléluia. Oh, Jésus. Réveille ton peuple. Réveille ton peuple. Réveille ton peuple. Alléluia. Oh, étends ta main. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour elle. Je prie. Je t'amènerai de plus en plus. Ça va de toi, l'évangile arrivera vers les autorités. Si l'onction de Dieu sur ta vie. Oh, étends ta main. Oh, le feu. Frère, prions. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, le coin maritime a besoin de toi. Ton chantier a besoin de toi. Alléluia. Oh, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de Dieu. Oh, Yahweh. Oh, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Ma soeur, chantons ce cantique. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Il vient pour te sauver. Chantons ce cantique. Oh Yahweh. Oh Dieu. Voici l'onction de Dieu sur ta vie, mon frère. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Alléluia. Tu seras un instrument. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, Seigneur, accorde une grâce, un ministère prophétique, un seul nouveau. Voici l'onction de Dieu maintenant. Oh Dieu, réveille ton peuple, réveille ton peuple, réveille ton peuple. Oh Seigneur, oh. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la victoire que tu nous accordes ce matin.
Frère, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour cette femme. Merci pour cette femme. Seigneur, restaure-la. Oh Seigneur, remplis-la, Seigneur. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Voici l'onction de toi. Voici l'onction de Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, je te recommande cet homme. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur. Oh, étends ta main dans la vie de cet homme. Levons nos mains vers lui. Il nous relèvera. Il vient pour nous sauver. Alléluia. Il vient pour nous sauver. Demande pardon à Dieu. Ce matin, tu t'amènes à un nouveau départ. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la restauration de l'église de Port-Gentil. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la victoire. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Seigneur, t'amène à une autre dimension. L'onction de Dieu sur ta vie. Oh, merci pour la restauration, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Parce que tu as répondu à l'appel. Tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Oh, restaure. Voici l'onction de Dieu maintenant. Oh Jésus. Un ministère pour vous dire. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Alléluia. Oh, merci pour la victoire, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu tes pleurs. Alléluia. Tu enfanteras les nations. Tu enfanteras les nations. Ici l'onction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Le Seigneur appelle sa princesse. Alléluia. Il a vu tes pleurs. Voici l'onction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Merci pour la restauration. Merci Seigneur parce que tu l'as mis dans le monde. Oh, merci Seigneur. Sur les Seigneur, ta main est notre dimension.